Chères Asmériennes et chers Asmériens, bienvenue sur votre planète, la planète ASMR, l'exoplanète où il fait bon vivre. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour une lecture de cartes, et je vais lire le petit oracle de la mission de vie. Voilà. De l'Ena Blossom, que voici. Donc je vais lire quelques cartes, je ne sais pas, je vais peut-être pas toutes les lire, mais je vais en lire quelques-unes pour que vous puissiez vous sentir mieux dans votre vie. Voilà, tout simplement. Et je vous dis à tout de suite après l'introduction. À tout de suite. Eh bien, nous revoici, chers Asmériens, pour la lecture de cartes de ce petit coffret qui s'appelle le petit oracle de la mission de vie de l'Ena Blossom. Je vous l'ai déjà montré en introduction. Alors, nous allons tout simplement, je vais enchaîner les lectures, hein, voilà, des cartes pour avoir, pour que vous puissiez, pardon, avoir un contenu qui vous satisfasse. J'utilise pas souvent des déclencheurs, donc je sais pas pourquoi je fais ça d'ailleurs, pourquoi je fais ça, c'est nul, c'est nul, mais bon, vu que je le fais, voilà, je le fais, peut-être que ça rendra bien, je ne sais pas. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver, j'espère que la planète où il fait bon vivre vous permet d'avoir de bonnes sensations, et nous allons dans quelques instants ouvrir ce coffret. Et il y a écrit, quand on ouvre la boîte magique, il y a écrit: installe-toi dans un endroit calme où tu ne seras pas dérangé. Ferme les yeux et détends-toi. Pense à une question ou à une situation qui te préoccupe, puis choisis intuitivement une carte. Demande simplement à recevoir ta guidance du moment. Laisse le message t'inspirer et t'accompagner sur le chemin de ta mission de vie. Alors je vais vous lire plusieurs cartes, mais peut-être que parmi toutes ces cartes que je vais vous lire, il n'y en aura qu'une. Qu'une seule qui résonnera en vous. Et finalement, si elle résonne en vous, cette carte, vous pourrez la noter sur une petite feuille de papier, et vous gardez cette petite feuille de papier sur vous, dans un cahier, dans une trousse, dans votre blouson, où vous voulez, dans votre poche. Mais vous pourrez la garder, cette phrase qui résonne en vous, et la lire de temps en temps, peut-être plusieurs fois par jour, pendant toute une semaine. Et puis après, vous réécoutez cette vidéo, et puis vous choisissez, vous laissez inspirer par toute la vidéo, et peut-être qu'à un moment donné, il y aura une autre phrase qui va vous inspirer, et vous ferez la même chose, vous noterez cette phrase qui vous inspire, et puis vous la garderez dans votre poche, ou voilà, où vous voulez, sur votre table de nuit. Vous pourrez la lire également le matin et le soir au coucher, et peut-être que cette phrase, c'est pas peut-être d'ailleurs, c'est sûr que cette phrase vous aidera à traverser un moment de votre vie, à peut-être trouver une solution, à peut-être avoir un éclair de génie ou un éclair de relaxation, un éclair où vous pourrez avoir votre mental complètement détendu, votre vision sur votre vie, pardon, sera peut-être différente, éclairée
un spot un peu différent. Oh, je serais content que ce spot soit la planète ASMR qui vous l'apporte. Ce serait super. Donc voilà. Allez, c'est parti. Assez blablaté. Maintenant, nous allons blablater. Voilà, je pose ça ici. Alors, je vais mélanger les cartes quand même. Voilà. Je mélange les cartes et nous allons. Mélanger les cartes et c'est parti. Allez, c'est parti. Surprise. La situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Je sais pas où je pose ça, je pose ça ici. Ensuite, un déplacement arrive. Il y a du mouvement dans l'air, un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller? Alors, où es-tu appelé à aller? Est-ce que ça te parle, ça? Inspiration nouvelle. Nouvelle inspiration. Un souffle de renouveau traverse ton cœur. Nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. Même si cela te semble fou, laisse venir à toi ces nouvelles idées qui peuvent t'inspirer. Quelque chose bloque. Ah bon? Quelque chose bloque. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. Demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. Tu fermes les yeux et tu demandes de l'aide. Tu fermes les yeux et tu dis, ce qui est proche de moi, ce qui me guide dans l'invisible, donnez-moi des signes, permettez-moi de retrouver mon chemin, de retrouver ma voie par des signes. Je serai à l'écoute et il faut que tu sois à l'écoute de ces signes. Autre carte, fais-toi confiance. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et foi. Il faut que tu aies foi en toi, il faut que tu aies foi en tes envies, en ce qui te pousse, en ce que tu sens en toi, en ce que tu sens dans tes rêves, dans l'étoile que tu veux atteindre, l'objectif que tu veux atteindre. Aie confiance en toi et fonce, vas-y. C'est le bon moment. Autre carte. Temps de faire une pause. Il est temps de faire une pause. Ton esprit est saturé. Il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Alors c'est simple. Si tu veux faire une pause, tu as Planète ASMR qui est là, qui te propose des musiques relaxantes, qui te propose des contenus variés, mais avec du contenu, justement, du vrai contenu, qui peut te servir à avancer dans ta vie, qui peut te servir à progresser, qui peut te servir à franchir les obstacles. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner si ça n'est pas déjà fait, et écoute. Vraiment Planète ASMR et je fais ces vidéos avec tout mon cœur, avec toute ma bienveillance, avec toute mon envie de permettre d'aller
tu as cet effet, pardon, tu as cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. Je répète cette dernière phrase. Ah, mais j'ai du mal, c'est incroyable. Ah, c'est incroyable. Tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. Je répète encore une fois, je répète tant que je me trompe. Tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. Waouh, j'y suis arrivé. Tu es baigné en cet instant d'énergie guérisseuse qui guérisse ton âme. D'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. Mais bon, l'intention est là. Et ce qui est le plus fort, c'est la force d'intention. Donc voilà, tu es à un moment où tu peux être réconforté, à un moment où il y a de la place. Il faut que tu fasses de la place dans ton cœur pour de l'amour. Oh, c'est beau. Fais appel à tes anges. Nouvelle carte, fais appel à tes anges. Tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Oh ben voilà, réjouis-toi de recevoir cette aide divine, cette aide qui vient d'ailleurs, cette aide qui vient de l'invisible. Ils sont là pour t'aider et ils sont en train de le faire. Il faut que tu en sois convaincu. Ils sont là en train de t'aider. Peut-être que tu le sens, qu'il y a quelque chose, des signes qui te parviennent comme ça. Et accepte-les. Accepte que certaines personnes, même si tu ne les connais pas, même si tu n'en sais rien, tu ne sais pas de quoi il s'agit, cet invisible dont on parle tout le temps, tu ne sais pas qu'est-ce que c'est cet invisible. C'est pas grave. Accepte que l'on t'aide. Accepte de recevoir cette énergie porteuse de bien-être, de bienfaits et porteuse pour te, juste comme si on te déplaçait, tu vois, dans ta vie un petit peu plus loin pour t'aider à surmonter cet obstacle un peu plus facilement. Une autre carte, enseignement spirituel. Ah, enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Waouh, c'est extraordinaire ça. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Je répète cette dernière phrase. Continue également à apprendre et à investir dans ton développement spirituel. Super, là c'est super. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si tu as des questions, parce que peut-être que tu en as au moment où tu écoutes cette vidéo, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Et si c'est des questions un peu plus personnelles ou avec des réponses un peu plus ciblées, n'hésite pas à me contacter par mail tout simplement et je te répondrai gratuitement, hein, sans problème. Une autre carte. Pose des intentions conscientes. Pose des intentions conscientes. Fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets. Puis rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire, souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Je relis parce que je ne suis pas sûr de tout avoir bien saisi, tout avoir bien compris. Et quand vous lisez quelque chose, que ce soit un livre pratique, un roman, etc., et que vous n'avez pas bien compris, ne perdez pas de temps à continuer. Relisez, c'est plus important de comprendre ce qu'on est en train de lire que de passer à autre chose. Parce que peut-être que votre inconscient, au fond, refuse, il sait très bien qui bloque peut-être, qui refuse d'aller plus loin, si vous voulez. Et le fait de relire, vous allez mettre ça dans votre conscient et ensuite ça va passer peut-être dans l'inconscient, ce serait bien. Fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets. Ok, fais le point. Puis rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire. Voilà, vous écrivez par écrit vos souhaits, ce que vous désirez, vos rêves, que vous pourrez relire souvent.
envie, de votre foi, de votre passion, de voilà, vous savez, comme quand on a envie d'acheter un truc là, on rêve de quelque chose depuis longtemps, et puis on y pense tout le temps, et bien on a une certaine énergie, c'est cette énergie là qu'il faut que vous reportiez dans vos intentions conscientes. On continue, vous en avez assez? Ok, on continue alors. Tu es prêt ou tu es prête à transmettre, tu es prêt à transmettre, tu as accumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant prêt ou prête à les partager, tu es légitime et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre, le monde a besoin de toi, le monde a besoin de toi pour transmettre des messages d'amour, j'espère, des messages de bienveillance, j'espère, des messages de paix, j'espère. Mais peut-être qu'il est temps pour toi de créer une chaîne ASMR, peut-être qu'il est temps pour toi de créer une chaîne spirituelle, peut-être qu'il est temps pour toi d'écrire des poésies, peut-être qu'il est temps pour toi de rencontrer quelqu'un qui t'aidera à franchir un certain cap. Mais en tout cas, il est temps pour toi de transmettre. Alors vas-y, transmets. On continue. Réveille le guérisseur en toi. Réveille le guérisseur en toi. Je sais pas pourquoi j'ai envie de faire ça. Réveille le guérisseur en toi. Réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large. Mot du corps et de l'âme, demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Alors, demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Et toi, de quelle façon tu peux te guérir le monde? Ah, eh bien, demande-le toi. Écris. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses deviendront naturellement. Waouh! L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Écris tes pensées, tes questions, tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses viendront naturellement. Comme ça, l'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Eh oui! Tu peux diversifier tes activités. Si, tu peux, je t'assure. Ah si, tu peux diversifier tes activités. Ah ben, c'est écrit. Tu peux diversifier tes activités. Tu es prête ou tu es prêt à tenter des choses différentes et à exploiter de nouvelles activités. Dans le travail ou les loisirs, sors de tes sentiers battus. Tu auras de bonnes surprises. Je relis les deux dernières phrases. Dans le travail ou les loisirs, sors de tes sentiers battus. Tu auras de bonnes surprises. Peut-être dans tes études aussi. Sors de tes sentiers battus dans tes études. Apprends autrement. Peut-être que tu n'es pas sur la bonne voie. Peut-être qu'il faut changer de voie. Tu auras de toute façon, c'est écrit, je viens de te le dire, de bonnes surprises. Ta mission est l'amour. Avec un grand A. Ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Diffuse l'amour autour de toi. Diffuse l'amour autour de toi. C'est beau. Ta mission est l'amour. C'est important. Eh oui, c'est important. Mais c'est important de s'aimer soi-même, d'accord? C'est bien d'aimer les autres. Mais il faut d'abord s'aimer soi-même. Car c'est en s'aimant d'abord soi-même que l'on aimera plus facilement les autres, véritablement, sans jalousie, sans rancœur, sans préjugés, sans idée
naturellement, tu pourras aimer pleinement et naturellement, 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 tu pourras aimer pleinement, pleinement, pleinement et naturellement, naturellement, naturellement. Prends du recul pour mieux revenir, prends du recul pour mieux revenir, revenir, revenir. Tu es invité à prendre du recul sur la situation, situation, situation. Telle qu'elle est actuellement, afin de mieux y revenir, revenir, plus tard, plus tard, plus tard, avec les idées fraîches et une énergie nouvelle, 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 relativise et retrouve le sens des priorités, priorités, relativise et retrouve le sens des priorités, donc prends du recul. Prends de la hauteur pour mieux voir ta situation actuelle et pour pouvoir mieux l'étudier et pour pouvoir mieux y revenir, me travailler sur ça. Sur ça, ça c'est quoi? C'est ta situation, le changement que tu as envie, la situation que tu es en train de vivre, le blocage qui te gêne ou bien la libération que tu es en train de vivre. Prends du recul, c'est ce que te dit cette carte. On continue. Amorce un changement, amorce un changement. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive, de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Ah bah tu vois, tu sais de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Oh, et dans ton fort intérieur, tu sais de ce dont il s'agit. Voilà, amorce le changement. Tu es en train de changer. En tout cas, tu sais qu'il y a quelque chose qui est en train de changer en toi. Tu le sais que quelque chose est en train de changer en toi au moment où je te le dis, au moment où tu écoutes cette vidéo. Alors, vas-y, lâche-toi et change ta vie. On continue encore un tout petit peu. Un peu d'humour te ferait du bien. Ah, un peu d'humour te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être si sérieuse ou si sérieux? Hein? Qui a dit ça? Bah non. Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Joyeuse et riche. Je plaisante, je parle de richesse et là, on parle de richesse intérieure. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Ah, alors aujourd'hui, voilà, voilà. Aujourd'hui, et si tu regardes cette vidéo tard dans la nuit, ce sera demain matin, d'accord? Demain matin, enfin demain. Fais quelque chose d'amusant. Cherche à faire quelque chose qui te fait rire, qui te remplit de joie, qui remplit ton cœur de bonheur. Je veux absolument que tu me dises en commentaire ce que tu vas faire pour que ta vie demain ou aujourd'hui change et que tu puisses être un peu plus heureux. Je veux que tu me dises ça et je veux que tu me dises ce que tu vas faire pour t'apporter un peu de joie, même si c'est juste un instant. D'accord? Dis-le-moi en commentaire. Libère ta créativité. Libère ta créativité. Laisse ton mental de côté. Et abonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Oui, abonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense. Dans tous les domaines de ta vie, ton potentiel de création est immense. Dans tous les domaines de ta vie, créer, il faut que tu libères ta création. C'est écrit, c'est peut-être le moment de libérer des choses qui ont fait blocage en toi, des choses qui ne t'ont pas apporté de bien-être. Et pour être mieux, il faut que libère ton imagination, ta créativité, ton envie de construire quelque chose d'artistique, en tout cas.
imaginaire, c'est la magie. Voilà, j'espère que tu as compris ce message. Autre message, rencontre des personnes. Il faut rencontrer des personnes. Ta mission peut t'amener à te sentir isolé ou différent. Mais tu n'es pas seul. Non, 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 tu n'es pas seul. Ah non, tu n'es pas seul. Non, 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 tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Et même si tu te crois seul au moment où tu écoutes cette vidéo, tu n'es pas seul parce que je suis connecté avec toi. Nous sommes au moins deux. Tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. C'est beau. Et effectivement, moi j'encourage souvent des gens qui me contactent, puisque pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach de vie. Des gens qui me contactent et qui veulent rencontrer du monde, à déjà retrouver une certaine énergie, pas rencontrer des gens tout de suite, déjà de retrouver une nouvelle énergie. Parce que ensuite, ils vont rencontrer des gens qui auront la même énergie qu'eux. Et si leur énergie est trop basse, ils vont rencontrer des gens avec une énergie basse et ils vont tous les deux, ils risquent de s'enfoncer et de se tirer vers le bas. Alors que si vous retrouvez un peu plus d'énergie vibratoire, donc qui vous élève, et vous allez rencontrer quelqu'un qui aura une énergie telle que la vôtre, et du coup, vous pourrez tous les deux plus facilement vous élever dans les airs, dans les cieux, et parvenir au merveilleux, au merveilleux. Passe à l'action. Oh, passe à l'action. Alors, passe à l'action, tu sais quoi faire et tu es prêt à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Alors ça, c'est pour ceux qui ont déjà une idée précise, plus ou moins, mais qui ont déjà une idée et qui ne font rien de cette idée. Quoi? Tu ne fais rien de cette idée. Pourtant, cette carte te dit de passer à l'action. Il est temps d'agir. Il y a un temps pour réfléchir et il y a un temps pour agir. Et là, il t'est demandé d'agir. Allez, je vais tirer la dernière carte. Je ne sais pas ce qu'elle est, mais je sens que c'est la dernière carte. C'est parti. Tu es prête ou tu es prêt, toujours pareil, tu es prête, tu es prêt à passer à l'étape supérieure. Super. Bravo pour le chemin parcouru. Tu es exactement au bon endroit, au bon moment. Waouh, c'est chouette ça. Le fait d'écouter Planète ASMR, tu es exactement au bon endroit, au bon moment, au bon moment. Et puis également dans ta vie, bien évidemment, tu es également au bon endroit, au bon moment. De grandes choses t'attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. De grandes choses t'attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Dites-moi ce que vous a apporté de bien la vie que vous vivez actuellement, que vous avez vécu. Dites-moi en commentaire quel merveilleux cadeau vous aimeriez recevoir de la vie ou quel merveilleux cadeau vous avez déjà reçu de la vie. Dites-le-moi en commentaire parce que moi je lis beaucoup, enfin je lis beaucoup, je lis tous vos commentaires et ce qui est fou, c'est complètement fou. Hein, moi je suis un fou. Hein. Je réponds à tous vos commentaires. Bon, je ne veux pas être le seul non plus. Voilà. En tout cas, j'espère que cette lecture de cartes sur votre mission de vie vous aura plu. Si ça vous a plu, ben, dites-le moi et puis je pourrai peut-être, si vous êtes sage, vous en lire d'autres.